Chers Inimontaines, chers Inimontains, je vous souhaite une très belle année 2023. Cette année qui démarre va connaître encore des étapes très importantes dans l'évolution de notre commune. Après avoir vécu l'ouverture de la maison de santé qui a conforté l'offre de soins sur la ville, après avoir réhabilité deux écoles, une maison de quartier, après avoir également ouvert le Forum des Arts Charles Aznavour qui fait rayonner désormais Montigny au plus haut sur le plan culturel, cette année va connaître dans quelques semaines la réouverture du Club Le Village. En plus de l'offre que vous connaissiez, c'est-à-dire le squash, le badminton, le tennis, nous allons vous proposer désormais du football en salle ainsi que du padel. Vous aurez aussi dans les mois qui suivront l'ouverture du pôle petite enfance à la sourderie. Et cette année, nous terminons toute la phase administrative pour qu'en fin d'année, je l'espère, les travaux de l'hypercentre puissent débuter. Dans quelques semaines, j'aurai également le plaisir de vous annoncer l'installation d'un très grand groupe sur la zone d'activité du Pas du Lac. Cette arrivée de ce grand groupe va évidemment conforter le dynamisme de cette zone et il va aussi, bien sûr, nous apporter des recettes si nécessaire dans cette période économique tendue. Vous le savez, la hausse des coûts de l'énergie représente une dépense absolument colossale pour la ville. Pour autant, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition pour préserver votre pouvoir d'achat. Cela implique que nous fassions tous des efforts en matière de sobriété dans nos équipements, mais je sais que c'est collectivement, j'en suis convaincu, que nous en sortirons par le haut. Montigny sera également cette année ville départ de la dernière étape du Tour de France. Ce grand événement qui préfigurera ce qui se passera l'année d'après avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques sera une nouvelle fois l'occasion de nous retrouver tous ensemble comme nous l'avons vécu il y a quelques jours au sein du Vélodrome pour la finale de la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire avant tout, c'est vous souhaiter encore une fois une très belle année pour vos proches et pour vous-même. Que cette année vous soit belle, source de joie, de sérénité et porteuse d'espoir. Très bonne année à vous toutes et à vous tous.